Je m'appelle Alphonse et je n'ai pas nom de famille, vu que mon père n'en avait pas non plus. Quant à ma mère, c'était une pauvre fille qui était née de parents inconnus. Elle s'appelait Delphine, pas davantage, quoique l'on mariait, c'était d'heureux époux. Et l'on disait, quel bon petit ménage que le ménage Alphonse du Gros Caillou. Et l'on disait, quel bon petit ménage que le ménage Alphonse du Gros Caillou. Au bout de 5 ans, ils eurent enfin la chance, vu leur mérite, leurs bons antécédents, de pouvoir ouvrir une maison de tolérance, et puis surtout d'avoir eu 4 enfants. Sur 4 enfants, Dieu leur donna 3 filles, qui travaillèrent dès qu'elles le purent chez nous. Et l'on disait, quelle belle famille que la famille Alphonse du Gros Caillou. Et l'on disait, quelle belle famille que la famille Alphonse du Gros Caillou. Il y avait des jours, fallait être solide, comme au 15 août, fête de l'empereur. Vive l'empereur! C'était chez nous encombré d'invalides, de fantassins, de cavaliers, d'artilleurs. Ces jours-là, dame, le soldat babille, et tous contents en sortant de chez nous, ils se disaient, quelle rude famille que la famille Alphonse du Gros Caillou! Ils se disaient, quelle rude famille que la famille Alphonse du Gros Caillou! Ouh! Même en dehors, nous comptions de la pratique. Mon père servait ses dames du Sacré-Cœur. Ma mère servait Madame de Metternich. Mes sœurs servaient la maison de l'empereur. Vive l'empereur! La clientèle était assez gentille. Et l'on avait grande confiance en nous. Et l'on disait, quelle sainte famille que la famille Alphonse du Gros Caillou. Et l'on disait, quelle sainte famille que la famille Alphonse du Gros Caillou. Moi, de mon côté, je comptais quelques clients. Je travaillais dans la magistrature. Assise. Le haut clergé, les grands officiants. J'avais pour ça l'appui de la préfecture. Vendu. J'étais gentil. On me prenait pour une fille dont j'étais frais et caressant et doux. Quand tu parles. C'était l'orgueil de toute la famille, de la famille Alphonse du Gros Caillou. Prout. C'était l'orgueil de toute la famille, de la famille Alphonse du Gros Caillou. Prout. Ma mère a pu se retirer des affaires. Moi, je continue, mais c'est en amateur. Mes sœurs ont toutes épousé des notaires. Mon père est mort dans la Légion d'honneur. Vive l'empereur! Sur notre nom, un grand mérite brille. Et si parfois nous fîmes des jaloux, on se dit tout de même quelle honnête famille que la famille Alphonse du Gros Caillou. On se dit tout de même quelle honnête famille que la famille Alphonse du Gros Caillou. Vive l'empereur! Oh,